Hi everybody, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'ortie sur nos cheveux. Restez connectés, c'est tout de suite. Nous avons tous fait l'expérience du contact avec cette plante recouverte de la tige jusqu'à la pointe des feuilles de poils urticants qui provoquent des démangeaisons. Cependant, il faut savoir que l'ortie est une véritable mine d'or pour nos cheveux. Alors, il faut savoir que l'ortie est riche en minéraux, notamment en fer, ce qui en fait une plante très très utile si, par exemple, vous avez des problèmes d'anémie. Elle est également riche en protéines, puisqu'elle contient les 8 acides aminés dont nous avons besoin. Je vais vous mettre la liste là ou là. Elle est également, elle contient également 3 fois plus de vitamine C que l'orange. Je dis bien 3 fois plus. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. L'orange qui est déjà extrêmement riche en vitamine C, eh bien l'ortie contient 3 fois plus de vitamine C que l'orange. Ainsi, elle est également riche en vitamine du groupe B. L'ortie contient de la méthionine et de la cystéine présentes dans la kératine de vos cheveux. Ce sont elles qui leur permettront de retrouver force et élasticité. Les vitamines du groupe B qu'elle contient va favoriser la croissance de vos cheveux, le zinc qui va permettre de rééquilibrer la sécrétion de sébum et le fer qui va jouer un rôle anti-chute des cheveux. À quelle fréquence utiliser l'ortie ? Pendant un minimum de 3 mois à raison d'une à deux fois par an. Vous pouvez l'utiliser après une période de gros stress, par exemple, ou après un accouchement, ou alors tout simplement pour donner un petit coup de boost à vos cheveux. Sous quelle forme consommer l'ortie ? Mais écoutez, alors avant toute chose, il faut que je vous dise que l'ortie, une fois que vous l'avez fait chauffer, bouillir, il n'y a plus rien à craindre. Vous pouvez l'attraper avec vos mains, vous pouvez la frotter contre votre peau, il n'y a aucun risque. Pourquoi ? Tout simplement puisque le poil urticant qui recouvre ses feuilles est complètement mort du fait que vous l'avez fait infuser, bouillir, tout ce que vous voulez. Donc, sous quelle forme la consommer, vous pouvez la consommer fraîche, à vous les gants, bien évidemment, puisque vous allez la prendre fraîche, ou alors vous pouvez la consommer en soupe, en légumes, en tisane, vous prenez 2 poignées de feuilles d'ortie que vous faites infuser dans 1 litre d'eau, vous laissez refroidir et vous buvez, ou alors en compléments alimentaires qui sont beaucoup plus efficaces puisqu'ils sont faits avec les extraits de plantes standardisés, donc beaucoup plus concentrés. Pour qui ? Ben écoutez, si vous cuisinez l'ortie, j'ai envie de dire aucune restriction. Si vous la prenez sous forme de complément, on va éviter les femmes enceintes et les enfants. Toutefois, demandez conseil à votre médecin qui sera beaucoup plus à même que moi de vous répondre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Passe-moi un scan, nous j'ai moins qu'on passe au jardin vocal. Nous pas fini, fait mon touche pipi, énervé pour Dominique Choscan. Big machine de sang. Garde ma wine, car c'est con, on cache mes solides photos d'eau. Bad boy, y'a mes pom pom, pas les